J'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. On chante tous en chœur. Alors ? Ça coule toujours. Reste rythme là ce soir, on a de l'eau jusqu'au jour. Et moi, demain matin, je prends ma douche dans le salon. Vous êtes sûr que ça vient pas du voisin du dessus ? Non, non, j'en viens, il est parti en week-end, il a fermé l'alimentation. Ben évidemment, mais du coup, on n'a plus d'eau. Enfin, au robinet. Oui, parce qu'au plafond, ça coule bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, si c'est pas le voisin du dessus, c'est les parties communes, il faut prévenir le syndic. Vous avez le téléphone ? Oui, oui. Là, voilà, c'est la touche verte. Eh oui, merci, je me suis déjà servi d'un téléphone dans le téléphone du syndic. Ah oui, pardon. Voilà, là, voilà. Là, cabinet bois vert. Merci. Oh là là, quand Gérard va rentrer, découvrir qu'on a une fuite. Pff, dépressif comme il est, et en plus aujourd'hui, ça. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui ? Ben, il avait un entretien d'embauche avec son DRH. Vous pourriez pas arrêter ça 5 minutes ? Oui. Oui, mais attendez, je sais pas du tout comment on fait pour éteindre ça, non ? C'est-à-dire, je sais pas du tout comment ça marche. Ah ben, un train électrique, normalement, si vous coupez le courant, ça devrait pas tarder à s'arrêter. Voilà. Oh, j'ai peur de prendre du jus, moi, et toute cette flotte, là. Pour une fois qu'il trouve quelque chose dans sa branche, après 3 ans de chômage. Il est dans quoi, votre mari ? Dans le film alimentaire, enfin, il était, parce que c'est un domaine où ils ont beaucoup dégraissé. Ah non, c'est plus du tout ce que c'était avant. Enfin, c'est Gérard qui dit ça. Mais si le film alimentaire marche plus, pourquoi il se tourne pas vers autre chose ? C'est-à-dire ? Ben, je sais pas, moi, le film publicitaire, film d'entreprise, institutionnel, bon, sans aller jusqu'à Cannes, bien sûr. Ah non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Non, non, lui, il est dans le film d'emballage, hein, de conditionnement. Ah, pardon, non, j'avais compris, le film... Ah, oui, le cinéma, oui. Non, pas Gérard, non. Non, non, lui, il est dans le film alimentaire, vous voyez. Oui. Ça va du plateau repas au sandwich industriel, boulangerie, oui. Enfin, tout ce qu'enveloppe les aliments, quoi. Voilà. Oui, oui, voilà ce qu'on appelle le film alimentaire, quoi, au sens littéral. Voilà, c'est ça. Bon, ça répond pas, hein. Non, parce que moi aussi, j'ai des amis qui font des films pas alimentaires, hein. Qui les font malgré tout de façon tout à fait alimentaire. Excusez-moi, mais je vous suis pas très bien, là. Ben, je veux dire que, pour des raisons alimentaires, ils font des films, mais qui ne font malheureusement que les nourrir. Ben, si c'est alimentaire, c'est déjà bien que ça les nourrisse. Non ? Ah bah oui, d'un sens. Oui. Oh mon Dieu, c'est lui ! C'est Gérard ! Et comment vous savez que c'est lui ? Eh ben, à l'interphone. Il marche plus, alors on a un petit code entre nous. Je sais que c'est lui, c'est que c'est moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? Ben, qu'on cherche à arrêter la fuite. Bon, ben je vous laisse. Oui, d'accord, voilà. Là.